lui qui voyait le miracle que lui accomplisse devant ses yeux. Et quand ils partaient en chemin, ils étaient coincés par un obstacle. C'était le Jourdain, inaccessible de passer. Élie avait pris son bâton et le jeta dans le Jourdain, et l'eau fit se parer, et il traversera 5 ans. Et quand Élie était arrivé à la fin de sa vie, il a dit à Élisée de demander tout ce qu'il veut. Et Élie lui donna son bâton et son manteau. Et quand Élie s'est retourné avec sa double portion, il trouva l'eau, il était retourné dans les Jourdains. Et Élisée a soulevé les bâtons d'Élie, et il a crié: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Moi aussi je crie: où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Que l'eau fit se parer en 2 morceaux. Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Devant mon obstacle. À chaque fois qu'Élisée se trouve dans les besoins, à chaque fois qu'Élisée se trouvait devant un obstacle, il criait toujours: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce qu'il connaissait la relation d'Élie envers Dieu. Il a vu l'enfant être ressuscité, il a vu les eaux se séparer. C'est pourquoi quand il avait besoin de l'aide, il criait toujours: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Moi aussi je crie: où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Où est ce Dieu qui délivre? Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Devant mon obstacle. Moi aussi étant auxiliaire, disciple de Branham, je vis la relation de frère Branham. Oh oui, envers notre Dieu, jusqu'au point de graver son visage dans les rochers et son nom dans le sept pics, ainsi qui durera toujours. Je vis les yeux qui rayaient dans le vide. Je vis la sœur Florence, oh oui, être rétabli. Je vis ces petits poissons, oh oui, être ressuscité. Je vis ces petits Frelandais, oh oui, être ressuscité. C'est pourquoi quand je suis dans le besoin, quand je regarde cette relation que Branham avait avec Dieu, je crie aux éclats: où est le Dieu de Branham? Oh oui, devant mon obstacle. Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Moi aussi je suis coincé. Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Devant mon obstacle. des cieux exauce les prières. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici celui qui est plus que Salomon. C'est pourquoi je tourne mon regard vers mon temple de louange. Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Où est ce Dieu qui guérit? Où est l'Éternel, le Dieu de Branham, devant mon obstacle? Ô toi grande montagne que tu devant Zoro Babel, tu seras aplani. Et Zoro Babel c'est le type de Malachie 4. L'ange du Seigneur avait dit à Frère Branham que si seulement tu peux amener ces gens à te croire, aucun démon ne peut résister à ta prière. Je te la guéris encore. Tu ressuscites dans le petit Frelandais. Il a créé